Et bonsoir à tous et bienvenue sur la console rétro, je suis Jay, je serai votre hôte ce soir comme tous les vendredis. J'espère que vous allez tous bien et que vous avez passé une agréable semaine. On se retrouve ce soir pour jouer sur la fameuse Megapie de la console rétro, console qui est du coup par rapport à toutes vos demandes et désormais en rupture de stock, mais heureusement il reste d'autres modèles. Donc si vous désirez acquérir cette console ou n'importe quelle autre console de la console rétro, vous pouvez utiliser le code promo JDJAY10 pour avoir 10% de réduction sur votre commande. On va voir ça tout de suite, transition magique. Paf, voilà la magnifique console. Et comme d'habitude, vous êtes habitués, on est en partie rétro-suggestion. Donc si vous avez un jeu à me suggérer, vous pouvez le faire. Et en attendant que vous me suggériez énormément de jeux, on peut toujours lancer la petite run Metal Slug. Quel est le principe de la run Metal Slug? Eh bien le but c'est de terminer le jeu en un seul et unique crédit, parce que ça coûte cher. Metal Slug, ça coûte cher. Alors c'est quoi déjà les boutons? Alors j'ai un petit problème de boutons. J'ai un gros problème de mapping de mes boutons. Il va falloir que je règle ça tout de suite. Évidemment, comme j'ai un problème de mapping des boutons, j'ai relancé le jeu. Et ben j'ai... Salut Seb, comment ça va? Du coup il est où mon... Je sais pas où il est, c'est pas grave. De toute façon je vais tout remapper, ça va être parfait. Tac. Réglage des manettes. Configurer la manette. Voilà. Gauche. Tac. Ça va très vite. C'est magnifique. Super. Beaucoup mieux. Voilà. Ça va être, bah écoute, plutôt une bonne journée de travail. J'ai pas tout à fait terminé, il me reste encore une heure de taf pour aujourd'hui. Et après, ça sera presque le début du week-end, puisque après il restera, mon cher Seb, toi qui connais par cœur, il y a l'émission de samedi à préparer. Puisque la première des épreuves de Loki à faire, donc. Forcément, il y a des choses à préparer. Donc je vais essayer de prendre le temps. J'ai pris le flame shot alors que je voulais pas prendre le flame shot. Viens là toi. Normalement, il y a un gars qui sort de cette maison. Je crois que j'ai fait n'importe. Je devais avoir des grenades. J'ai détruit la baraque un peu trop tôt. Et toi, comment ça va? Est-ce que t'as des trucs prévus pour ce week-end, mon cher Sam? Salut Jérôme! Ça fait 2 semaines, ça faisait long. Bonne chance pour la run, merci, c'est gentil. C'est trop mignon. C'est trop mignon, effectivement, ça faisait 2 semaines. Parce que la semaine dernière, je vous avais prévenu, j'étais pas disponible. Pour la simple et bonne raison que j'étais en concert en fait. J'étais en concert dans le Nord. Je suis pas certain d'avoir tout à fait tout récupéré. Mais c'était cool! On a passé un bon moment. Merci à tous ceux qui sont venus me voir. Très gentil. Je reste pépère ce week-end. Ah, voilà. C'est ça qu'il faut. T'as tous les enfants à la maison. Et merci Jérôme pour le like. Je sais que tu es déjà là, donc je ne vais pas te re-souhaiter à nouveau la bienvenue. J'ai plus de grenades. De tricher du coup. Ah dommage, je voulais essayer de choper le rocket launcher mais tant pis, ce qui fait que c'est un score pas génial. C'est pas mal mais on peut mieux faire. Je crois qu'on a fait 180 000 au maximum à la première mission. Du coup il nous manque 20 000 points.
C'est pas ouf. Là, il faut que je trouve aussi. Dans cette mission-là, il y a un truc. Pour faire en sorte que... Merde, c'est pas ça que je voulais faire. Pour faire en sorte que le nounours, là... Il vale 50 000 points. Voilà, ça. Je pense qu'il y a une technique. J'y crois dur comme fer. Il y a une technique pour pouvoir faire en sorte qu'il vale 50 000 points, un coup de sûr. Le problème, c'est que j'ai pas encore trouvé. C'est risqué, ça. C'est très très risqué, oh là là. Je prends beaucoup de risques. Tant pis pour le nounours. J'ai raté mon saut, tant pis. Salut Nico, comment ça va? Tant mieux si ça s'est bien passé pour toi, merci beaucoup. Effectivement, ouais, c'était cool. C'est très très cool, il n'y a pas eu de soucis majeurs. On a eu des soucis d'organisation en interne pour tout ce qui était... Je sais pas ce que je vais faire. Tout ce qui était transport, mais bon. Ça, c'est problème... un peu un problème détail. Rien de... Et poupi, toupi, poupi, 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 poupi. Je rappelle, hein, si vous voulez suggérer des jeux, vous pouvez le faire, c'est pas obligatoire, mais ça fait plaisir, et comme ça on peut le mettre, si jamais je l'ai. Il y a un like qui est passé là, qu'est-ce que j'ai raté comme like? Merci. J'ai pas fait gaffe. Désolé. Bienvenue sur le live. J'ai pas fait gaffe au nom qui était présent. Merci pour ton like. Comment ça s'est passé ta semaine, mon Nico? Il viendra pas. Un poil tôt. Pas de difficulté là. C'est après que les embrouilles commencent. J'aime le placement qu'il m'a fait là. Moi je me suis mal mis mais... Oh là là, mais n'importe quoi, pourquoi j'ai fait ça? Le Metal Slug est mort. J'ai perdu le Metal Slug. Les points. Les points. Il manque les points. La tristesse. Je suis dégoûté. Ça va pas être une run à points celle-là. Peut-être va falloir vous faire là juste... Juste la run sur lui. Alors le saut, attention. Le saut de la foi, toujours un peu peur à chaque fois. Re-le saut de la foi. Et re-le saut de la foi. C'est bon. Et
Tiri-li-li-douli. Tabouli-bili. Douli-douli-douli. Ça se passe bien pour l'instant. J'ai fait n'importe quoi. Faut que je prenne des grenades. C'est bon. Pipou, pipou. Je suis où là? Ah. Non! J'ai fait n'importe quoi. J'aime pas quand je fais ça. Je m'épuise. Ils sont en haut. Alors là, c'est cool, j'ai sauvé plein de gens, mais j'étais pas prêt. Oh là là. J'étais tellement pas prêt que du coup, j'ai pris beaucoup de dégâts. Je devrais pouvoir m'en sortir, mais... quand même. Rocket launcher. Voilà, j'ai pas sauvé tout le monde, mais c'est pas grave. On a dit juste la survie. C'est dommage parce que ça se présente bien quand même. On a toujours nos devis donc c'est cool. Le dégât. Bizarre quand même. Merci Luc ADR pour ton like. Bienvenue sur le live, j'espère que tu vas bien. Et que t'as passé une bonne semaine. Je prends beaucoup trop de temps à faire ça. Normalement, il n'y a pas à réfléchir. Voilà. Ça doit aller vite. Je vais aller sauver lui quand même. Normalement il y en a plus à cet endroit là, mais on va quand même sauver que lui. Ça se passe très bien. Pas pourquoi ça se passe aussi bien d'ailleurs, c'est étonnant. Ah.
Non, trop tard. J'essaye à chaque fois de les sauver eux, mais... Il y a des gars encore qui sont planqués à cet endroit-là. Ce qui explique qu'on fasse pas énormément de points sur cette mission, quoi. Les points. Pas les points, faut juste survivre. On va essayer de pas prendre trop de risques. Rocket launcher. Pourquoi j'ai été faire ça? Alors qu'il y a des rites. Bordel de merde. Je le vois, je vois qu'il est là. Problème. Heavy machine gun. Télépélépipou. Et en plus je prends le flame shot qui est une arme dégueulasse. Je peux pas le sauver lui. Je peux pas. Ah si c'est bon. Ah dommage, il avait des grenades, j'en ai besoin. Diantre. Voilà pourquoi j'ai besoin des grenades. Et merci Denis Dupri pour ton like. Et j'ai plus de grenades. Ah, ça va mal se passer maintenant. Je suis encore vivant. C'est bon. Mais bon, j'ai plus de grenades quoi. Est-ce que notre vie va bien si on a plus de grenades? Je suis pas certain qu'on puisse considérer que ce soit une vie agréable. Je suis encore en vie, je sais pas comment mais... Le talon, sûrement. Oh là là! C'est dommage, il y a des otages à l'intérieur. Mais j'ai réussi à le sauver. On a perdu une vie quand même. Mine de rien. C'est pas ouf. On peut faire mieux. Du coup, je vais bouger de save. N'hésitez pas à m'écrire dans le live hein, s'il y a un jeu que vous voulez voir. Je sais qu'il y a certains messages qui passent pas. Mais c'est pas grave, essayez d'insister si jamais le message passe pas. Ça arrivera, ça passera peut-être. C'est malheureusement des problèmes indépendants de ma volonté. Vous en doutez bien. Pas confiance. Bordel, je l'ai vu. Je l'ai tellement vu. Ça c'est ce niveau là, c'est ma némésis vraiment. Je vois même pas ce qui me tue. Ah là là. Un jour j'y arriverai, je le sais. C'est juste que je meurs tout le temps à cet endroit-là, mais il faut que je m'entraîne sur cette mission 6. Il faut que j'arrive à comprendre le pattern de ce pont-là.
Il y en a un, c'est obligatoire. C'est inévitable. Stellar Run Metal Slug, on a fait quand même un score pas dégueu. Mais on aurait pu mieux faire. Un petit Home Alone sur Mega Drive. C'est la période. Ah, les périodes de Noël, donc du coup avec les jeux de Noël. Ça veut pas forcément dire les bons jeux de Noël. Parce que Home Alone. Quand même. Comment on fait déjà? C'est avant. Il est là. Un jour, tu y arriveras. Oh oui, un jour, tu y arriveras. Enfin, on va pas reparler du jeu Wayne's World, non. Alors, tir. Ah non, tire, c'est. Fire, jump. Donc on jump avec ça, on fire avec celui-là. Et tire, je sais pas ce que c'est. Tire, ça veut dire... Ça veut dire pneu normalement. Ça a l'air d'accélérer. Ah mince, je pensais que c'était un truc cool mais non. Qu'est-ce que je dois faire et où je dois aller? Il y a marqué, il y a 5 maisons et 0 pneu. Je dois rentrer dans les maisons? Mais non. C'est une musique de Noël remixée. Enter the house, yes. Alors, les plantes. La cuisine. Ah, faut que je mette des trucs. Alors, on va mettre de la glace dans la cuisine. Des torches dans là, je sais pas pourquoi mais de la glace là, une torche là, on peut pas le coller aussi, tiens voilà, on le colle là et on lui met une autre torche là, toutes les portes, ah il y a des jouets aussi, on peut mettre des jouets là, on peut mettre des jouets alors. Est-ce qu'on peut mettre des jouets ici? Ah je peux pas mettre dans le... Qu'est-ce que je peux mettre là alors? Des toys? Je peux pas non plus. Mais pourquoi diantre? Ça c'est bon. Ça c'est bon là faut que je mette. Je peux pas mettre les toys non plus là. Ah je peux mettre que les torches en fait sur les portes. Ce qui veut dire que je suis obligé de start maintenant. Ça c'est mon piège. Voilà, du coup ça m'a tué. Je me suis mort à cause de mon propre piège. C'est pas incroyable ça? Qu'est-ce que c'est que cette maison où il y a des tubes dedans? Et du coup je vais mourir avec juste mes pièges en fait. Je sais même pas ce que je dois faire. Caché dans les toilettes? Pas du tout. C'est quoi l'intérêt? Aïe. Je pige pas bien ce que je dois faire. La musique est magnifique dans le film, il est gâché. On commence. Mais y a pas de jeu là surtout. Est-ce que je suis pas censé normalement m'amuser? Je récupère des points. On peut jouer sur la profondeur apparemment. Voilà, c'est tout. Très bien. Je sais pas ce que j'ai fait mais je l'ai fait. Est-ce que je peux rentrer dans cette baraque? La réponse est non. Mais alors c'est quoi ma vie? Je peux aller là-dedans? Oui mais y'a rien. Et là-dedans, j'en viens de là. Y'a forcément un truc à faire.
Ah, on peut jouer au flipper. Je savais pas. Cloche d'argent. Ding dong, voyez. Et elle est où la porte? Comment on rentre là-dedans? Merci Seb. Comment ça va, mon Seb? La forme? Enter the house, yes. Ça y est. On peut mettre des billes. Des billes dans les. Merci pour le partage, Joseph, ça c'est beau. Merci beaucoup. Alors, si on met des billes sur tous les escaliers, c'est cool, non? Je suis pas sûr d'avoir tout protégé. Ça a l'air d'être protégé pourtant. À part la porte. Cette porte là est pas protégée. Mais je peux pas mettre les toys. Il me reste que des toys. Mais du coup je suis en train de me dire que ça sert à rien que je mette des pièges. Il y a un truc là-haut, il y a de la colle. Ah. Ça c'est dans le film, hein. Le truc qui fait peur là, la chaudière qui fait peur. Attends, mais j'ai piégé les escaliers. The house is not flooded. Pardon. Mais quel house? En fait, je suis en train de protéger toutes les maisons sauf la mienne. J'ai rien fait comme il fallait. J'ai protégé tous les voisins sauf ma maison. Ça va, c'est un gars cool, hein. Kevin! Je peux même pas aller dans le truc. Voilà, je suis mort du coup. Il y a un loot. Ah bah oui, si en fait ils sont là. Il m'a accroché au mur, génial. Casseur flotteur. Cruel. Kevin est cruel et sale. Bah oui, c'est vrai, mais. Je comprends pas. Je comprends pas bien le principe du jeu. D'accord, et bon, eux ils ont un autre problème que se faire cambrioler, hein. Dès que tu fais 3 pas, ça se casse la gueule, c'est qu'il y a un problème. Je suis mort. J'ai réussi à faire planter le jeu. Il est vraiment pas abouti ce jeu. Désolé, mais non. Je vais pas continuer ce jeu, j'ai fait planter le jeu. En sortant de la baraque, c'est vraiment pas abouti. Hein. Alors, pourquoi je regarde. Quoi? Mais non, mais je veux pas jouer au jeu. J'ai appuyé sur le bouton. J'ai pas envie de jouer à ce jeu. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? D'accord. Un autre jeu peut-être. Hook. Je suis pas certain que ce soit aussi bien que le film, hein, par contre. On peut essayer, mais. J'ai des gros doutes. Musique. J'ai pas le temps. Alors. On s'en fiche. Alors, on a un bouton pour voler comme Son Goku. Un bouton qui fait rien. Et un bouton pour mettre des coups d'épée.
Aïe. Est-ce qu'on peut le piquer ces trucs, non? Ah non, faut juste que je les désarme, je suis pas obligé de les trucider. D'accord. On peut pas courir non plus. D'accord, et si je saute. Par contre, il a une détente. Aïe, me fait. Je suis mort. Ok, j'ai le droit de me faire toucher 3 fois. Il a une vraie détente hein, par contre. Heureusement parce que je m'attendais vraiment à ce que ce soit plus galère. Paf. Ouais, il a une détente de ouf. Ah mais d'accord, en fait je peux rien faire par rapport aux abeilles. Mais c'est quoi le principe du coup? Ce que je peux faire. C'est tout ce que je peux faire. En fait c'est un jeu de stratégie, c'est pas du tout un jeu de plateforme. Pip, pip. Parce que là du coup il va me balancer les abeilles, du coup hop game over. Voilà, comment je l'évite? Je peux pas éviter. Je suis vraiment obligé de prendre ce dégât. Ah d'accord, et je me fais manger par les poissons. Et ben super. Casting quand même, Robin Williams. C'est Robin. Robin Williams, pas Robbie Williams. Parce que Robbie Williams c'est une autre personne. C'est un chanteur. Et Dustin Hoffman effectivement. Et Julia Roberts aussi hein. Tu oublies beaucoup trop. Elle avait le meilleur rôle en plus. Il y avait aussi le petit gars des Goonies là. Comment il s'appelait? Celui qui faisait les. Qui avait tous les gadgets. Je peux pas passer par au-dessus là, j'imagine. Faut forcément que je passe par les poiscailles. Je peux pas aller par-dessus. Tata. Tata, il s'appelait. Clochette la petite fée, bien sûr. Meilleur perso de tous les temps. T'es sûr qu'il s'appelait pas Data plutôt en référence à Star Trek? On n'a jamais été aussi loin. Lave la clochette. C'est un checkpoint. Ah, je peux voler. C'est nouveau ça. Je peux voler si tu y crois fort. Ah, j'ai pas cru assez fort. C'est pas du tout un checkpoint en fait. Merci Jean-Claude Bluet pour ton like et bienvenue sur le live. J'espère que tu vas bien, que t'as passé une bonne semaine. C'est pas du tout un checkpoint en fait, on est revenu ultra long. C'est héroïque de ouf, mais pour autant, c'est ultra dur. Je galère vraiment. Surtout lui, là. Planqué dans les fougères avec ses abeilles, là. Je galère bien. Et je suis mort. Graillez pas un poisson. Data, ouais. Oui, je sais pas, en fait. Ça me semblerait logique qu'il s'appelle Data plutôt que Tata. Maintenant, la logique et les films, hein, vous savez. Je vois pas comment l'éviter, lui. Je peux pas l'éviter. Je suis obligé de prendre ce dégât. Il est où le poisson là? F
fallait pas l'attendre. Du coup. On va faire game over. Je récupère un point de vie, je sais pas comment j'ai fait mais. C'est bon. Attention, passage relou, où on peut voler. Voilà. Il y a des piquants, hein. je le vois les piquants. Et comme je suis pas. Qu'est-ce qui me touche? Ah mais il y a des piquants partout. En fait je peux pas du tout aller là-dedans. Bon. C'était hook. C'était trop dur. Est-ce qu'il y a un enfant qui a déjà vu le niveau 2 de ce jeu? Les Goonies avec Sinoc. Attends, est-ce que les Goonies, ils ont un jeu qui serait sorti sur Mega Drive? Je regarde. Pas dans les T. Pas dans les G non plus. Est-ce qu'il y a un jeu que vous voulez voir ou est-ce que je refais une run Metal Slug? Non, ça va être trop long, Alundra. Faudrait qu'on termine la légende de Thor aussi. On a fait plus de la moitié. Pourquoi ça me dit quelque chose ce jeu? Petit Golden Axe. Ça marche. C'est le Fun of the Night quand même. Hein. Celui-là, je le connais pas. Chronicles. Je crois pas y avoir joué à celui-là. Petit Golden Axe. Lequel? Le premier? Je suis dessus en plus. Juste parce que je l'ai montré. Sur Nintendo? De quoi sur Nintendo? Tu parles des Goonies? Il y a un jeu sur les Goonies qui est sorti sur Nintendo? Je vais pas jouer avec le nain, non. C'est la musique épique avec tout plein d'épées. Aïe. Je croyais que j'étais mort. Mais non, en fait. Paf! Je préfère comme Streets of Rage. Hein. Désolé. Hein. Je sais que vous aimez ce jeu, mais je trouve que Streets of Rage est plus abouti. Même si on peut pas courir dans Streets. La meuf, elle est plus carrée que nous. Bah c'est en même temps c'est la période hein. Tu te bats à l'épée si tu te bats à l'épée tous les jours, je peux t'assurer que tu seras plus carré qu'elle. Je me fais défoncer avec le fléau, génial. Je vais mourir complètement. Il y a un problème de proportion non avec cette meuf non. Bon, je sais pas comment faire. Je sais pas comment faire parce qu'elle a plus de détente que moi, je peux pas sauter pour la défoncer. Quand même. En fait, c'est une histoire de plan, c'est ça? C'est Xena la guerrière version Wish. Quoi? Pourquoi? Non, mais pourquoi version Wish? Ça me rappelle une blague qu'il y avait dans les Simpsons où t'as Lucy Loles qui est déguisée en Xena et il y a un moment où elle se met à voler et il y a Lisa qui lui dit mais Xena ne vole pas. Elle dit mais je vous l'ai déjà dit, je suis Lucy Loles. Cette vanne m'éclate. Je suis pas Xena, je suis Lucy Loles.
je vais mourir. Attends, on peut pas faire un... Abracadabra ? C'est long quand même, non ? Je suis mort de décès. Voilà, on a perdu une vie. Il va me piquer mes trucs. Arrête de me piquer mes trucs. On évalue pauvre les Tesla. Vidant les armoires, fouillant les tiroirs jusqu'au bout de la nuit. On évalue pauvre les Tesla. Attends, en plus on l'a pas déjà fait, genre ce jeu on l'a pas fait jusqu'au bout. Je crois que si, hein. Même le boss à la fin faut le décapiter, c'est bien relou. Parce qu'il faut faire un truc très particulier, je crois. Et après il... Si je me souviens bien, peut-être je confonds, mais genre il se lève, il récupère sa tête et il s'en va. C'est pas un truc comme ça. Je crois que c'est un truc comme ça. Je me souviens plus. Ils peuvent même pas manger leurs potes. C'est ça aussi la différence qu'il y a avec Streets. Dans Streets, tu peux attraper un gars et le balancer sur son pote. Ah non, je peux pas les tuer. Carrément, un dragon. Oh là là, le coup de hache dans le dos. Bon, si je me fais prendre un sandwich, ça va pas non plus. Mais quoi, mais c'est abusé ce qui vient de se passer. Ce jeu est très bien codé, y a absolument aucun problème. Et merci Renaud le Maou, c'est bien ça. Merci pour ton like, bienvenue sur le live, j'espère que tu vas bien. Et que tu pourras nous écrire parce que c'est pas sûr que les messages passent. Mais si tu peux le faire, n'hésite pas à le faire. Si t'as envie de suggérer un jeu, tu peux le faire également. Si je l'ai, je le mettrai avec plaisir. Aïe. Je vais mourir une deuxième fois. Voilà. Je suis mort du fléau là. Non mais arrêtez là, vous êtes deux, vous rendez bien compte qu'il y a un problème de nombre. Ça vous pose aucun souci de conscience. Et ben soit. Je suis en train de taper ta copine, laisse-moi tranquille. Je vais mourir. Je suis mort. Me se faire arnaquer. Continue. Yes. Ah, il y a un dragon qui crache des boules de feu. Mais quoi ? Comment elle peut être encore vivante? Il sert à rien ce dragon, zéro. Ça se trouve c'est le boss. Du coup, abracadabra. Je sais pas si c'était le boss, ça avait l'air d'être le boss effectivement. Il est tout parti. Voilà. Je vais pas le faire dans l'intégralité, je crois qu'on l'a déjà vu.
Un autre jeu peut-être. Genre, je suis en train de regarder la PlayStation, parce qu'à PlayStation il y a des jeux cool quand même. Bon bah je sais pas comment j'ai fait, mais j'ai lancé Crash Bandicoot 3, sans faire exprès. Cela dit, c'est pas plus mal. Sony Computer Entertainment Europe presents a Universal Interactive Studios production. Ambiançage. Okay, created and developed by Naughty Dog. J'ai pas le temps de regarder tous les trucs. Alors, language français. C'est parti. On va essayer de faire un niveau quand même. Est-ce que je suis obligé de regarder la vidéo d'introduction? Je peux juste la skip. Voilà. Je peux plus la skip. Qu'est-ce que j'ai fait? Rien du tout. Alors, on a un bouton pour faire des glissades, un bouton pour faire des roulades, et on peut pas sauter. Ah si, on peut sauter, mais c'est avec triangle. J'avais oublié cette affaire. Voilà. Crash Bandicoot, avec Cortex et sa grosse tête. Exactement, il est là. Crash, crash, crash. Pourquoi tu viens toujours fourrer ton nez dans mes affaires? Hé, moi aussi, j'ai un masque de sorcier, tu vois? On verra bien assez vite qui est le plus fort. Alors, comment on fait, du coup? Voilà. Alors par contre, le mapping des boutons là, faudrait peut-être fouiller dans la console là pour changer les le mapping, parce que sauter avec triangle, c'est moyen mon délire. J'ai pris trop de temps. Marche. Parce que t'es le méchant, c'est ton destin mon gros. J'ai pas appuyé sur le bon bouton. Du coup je suis décédé. Et je passe pour un... Non, y a pas de... Cette rime ne marchera pas. Et avec 100 pommes, normalement, on a une vie ou pas? Tornade. Voilà. Pipou, pilou, pipou. Je peux shooter la poule, je peux shooter tout, j'imagine. Checkpoint. Qu'est-ce qui se passe? Non mais j'ai une galère. J'ai toujours une galère avec ma manette. C'est toutes mes manettes en fait, ça y est, j'ai plus aucune manette qui fait le job. C'est faux. Il m'en reste 4. J'ai encore de quoi faire. Mais cela dit, il y a quand même une blague avec cette manette. Bon, de rien, la chute. Bah, la chute, j'ai juste marché dans le trou en fait. J'ai juste été dans le trou volontairement quoi. Enfin, volontairement. Disons que de votre point de vue, ça avait l'air d'être volontaire. Du mien, ça l'est pas du tout, mais. Y'a pas un truc où normalement on peut genre. C'est pas ça du tout que je voulais faire. Oui voilà, y'avait un problème avec ma manette. J'ai jamais lancé ce menu. Hein. Normalement, il y a des chevaliers avec des grosses épées aussi.
Ah oui, on peut se vautrer aussi. Mais vraiment, le mapping des boutons, là, il me plaît pas. Vous voyez là le fait qu'il y ait le petit message là qui dit changement d'emplacement de sauvegarde, c'est pas du tout voulu. Normalement il faut faire une combinaison très particulière avec la manette et chose que je ne fais pas. Et normalement je vais pas toutes les caisses, c'est ça? Et du coup je suis dégoûté. J'ai pas l'onc, il me manque l'onc. Pourquoi j'ai pas l'onc? Je sais pas. Je sais pas si c'est parce qu'il y a un truc à faire dans le niveau ou... Ah c'est le timer. C'est ça, je suis obligé de le faire en deux fois. Faut que je fasse le niveau en moins d'une minute deux. Je pense que c'est ça. Attendez, je vais tester un truc. C'est parti. D'accord, donc il faut absolument jamais utiliser ce bouton-là. Il y a des secondes, on peut gagner des secondes. Voilà. J'ai éjecté le... Voilà. Donc ça c'est le problème qu'il y a eu avec ma manette. Du coup j'ai éjecté le disque. En faisant je sais pas quoi. Parce que ma manette fait des grosses blagues. Et comme j'ai éjecté le disque, bah du coup je peux pas continuer. Du coup je suis vénère. Voilà. Ma manette c'est Nadone. Je vais tester avec une autre. Hop. Verdict. Ah oui effectivement, il y a le contrôle du disque du coup. Numéro du disque, ok, état du plateau de lecteur disque, fermé. Voilà. Je peux reprendre ou pas? Je peux pas reprendre. Si, je peux reprendre. Ah ouais, putain, ça a changé complètement tout le mapping. Maintenant, c'est intuitif par contre. Donc j'ai un vrai souci avec ma manette, il faut vraiment qu'elle s'en aille. Loin de moi. Faut que je me mangue, je vais pas avoir le temps. Je suis deg à 2 secondes. Bon, je vais le refaire parce que j'ai eu une galère avec ma manette. Je sais que c'est un problème de manette. Vous voulez pas me croire, mais. Ah, mais j'ai aussi un problème avec celle-là. Il faut que je change toutes mes manettes. Ça vient de quoi que toutes les manettes sont cassées? Prends soin de tes affaires ou tu seras puni. Je prends soin de mes affaires, mais juste je les utilise tout le temps en fait. Donc du coup, bah celle-ci, cette manette là que je viens de brancher, elle a un problème avec le D-pad. Donc en fait, elle a un problème de le bouton de droite ne fonctionne plus. J'ai du trop appuyé dessus. Enfin, c'est pas qu'il fonctionne plus, mais il accroche en fait. Et l'autre manette, c'est globalement tous les boutons. Parce qu'il y a des boutons qui s'appuient tout seul, le mapping change tout seul, mais ça vient de la manette. Donc il faut que je me débarrasse des deux manettes. C'est dommage parce que bah, une manette, c'est 50 balles, quoi. Donc c'est relou. Mais j'en ai d'autres.
Ne vous inquiétez pas, j'ai d'autres manettes, c'est juste que bah ça change, faut que je change tout mon setup. Saleté! Ça fait perdre du temps ça. Pipouli. Et voilà. 1-0-0. Et je gagne l'anc. Ça c'est beau. Comment on revient? C'est là. Bah alors. C'est pas du tout ça mon blaze. Est-ce qu'on s'en foutrait pas un peu aussi? Voilà. Ouais, problème de manette, mais je vais m'en sortir. Pas de soucis. D'ailleurs, je me rends compte que oui, voilà. J'avais activé le mode de traduction. Est-ce qu'on peut faire du coup? C'est ça. On peut sauvegarder et mettre un autre jeu à la place. Pipou. Il faut que je mette un blaze encore. Le pipou pilou. Il avait une bonne tête d'abruti crash. Bah en même temps c'est son nom. Hein. C'est fait exprès. Voilà. Voilà pour donc c'était Crash Bandicoot 3. Il y avait l'équivalent de Mario Party aussi avec Crash Bash. Crash Team Racing qui était l'équivalent de Mario Kart. Je regarde un peu ce qu'il y a dans PlayStation. Die Hard Trilogy. Dommage du coup de pas pouvoir jouer avec le pistolet. Oh, Discworld 2. J'adorais ce jeu. Mais du coup ça va être la version anglaise. Ça va pas être la version FR. Très fort, très fort. Même pour vous, hein. Même pour vous, c'est fort. Ah, Game Options. Subtitles. On peut changer le language du subtitles. Dommage, il n'y a pas la version française. On peut l'avoir en espagnol. Du coup, j'imagine qu'il va parler en anglais. Testons. Magnifique, ce jeu il est magnifique aussi. Hein. Les graphismes dignes de Braindead. Je la laisse parce qu'elle est trop belle cette intro. Dessin animé quoi. J'avais oublié que ça commençait comme ça. Some kind of animal, I think. Possibly it was a humorless shell vegetable. Ah putain, mais. Pratchett, il est tellement allumé quoi. Possibly a parsnip or a cube. I don't know. I can't remember the words. They were really. Mais il me semble il était en français aussi ce jeu. Now I can't remember that either. Was that word for something? Alors le jeu ressemble à ça, ressemble à ce qu'on vient de voir. On va peut-être passer les différentes animations. Mmh.
Real sweet. J'ai pas le temps. Voilà. Alors. Comment on fait déjà? C'est carré. On peut aller au shop. Oui. Wandering shop. J'ai pas le temps. Je veux juste parler avec les gens. Bonjour. Je veux te piquer les bougies. Ah mais j'ai pas de thune, c'est ça? No, can't reach them. I better ask her. Faut que je lui demande d'abord. That looks interesting. Could I possibly have it then? Certainly. Et me le donne. Tranquille. Je vais lui prendre tous les trucs. That looks nice. Can I have it then? What? No mumbo jumbo? No sudden insistence that I go on a special quest or anything? What? Me? Order? Ce jeu-là, faut tellement y jouer en français. Whatever are you thinking? Parce que bon, en VO, c'est le mieux, mais En VO, c'est quand même le mieux, mais Mais du coup, vous passez à côté de toutes les blagues. Just what I've always wanted. I don't suppose I can have it then. Why not? It's yours. You only had to ask. Quel est ce magasin où genre tu rentres dedans et tu peux juste tout prendre? That looks nice. Can I have it then? Celui-là non. Not. It's not for sale. Voilà. Celui-là non. On le voit de toute façon, la couleur est différente. Et le truc, l'encensoir, je sais plus si je peux le prendre. Il y a des bouquins. Est-ce qu'il y a des bouquins intéressants? That looks nice. Can I have it then? Certainly not. It's not for sale. Bien sûr que non, voilà. Oh, you handsome little sea weevil, you. Je peux lui parler. Well, I say all, but given the cruel abuses of this dingy level of technology, the possibility that gives a and it she's up. Je peux juste utiliser ça là. I'm already lost. Let's not make it worse. D'accord. On se barre alors. Je sais plus ce qu'il y a ici. Il y a un klaxon. I think you might be confusing. Non mais je vais le mettre là. Voilà. Bonjour. Voilà. Et lui, on peut lui parler. Donc ça se jouait à la souris. Mais on pouvait jouer à la manette. Un jour, je vais le refaire ce jeu. En entier. Bon, bref, c'était juste pour vous montrer un peu ce jeu. Ça, c'est un vrai jeu de mon enfance. J'ai vraiment kiffé ce jeu. Est-ce qu'on finirait pas? Ah, Fade to Black. Fade to Black, c'est la suite en 3D de Flashback. Et Flashback, c'était dur. Et merci Jérémia d'Anvers pour ton like. Ou Denver, comment on dit? Je sais pas comment on prononce. Merci pour ton like, bienvenue sur le live, j'espère que tu vas bien. On va peut-être continuer du coup la légende de Thor. J'espère qu'il y a encore ma sauvegarde. Parce que je vais être malheureux. Les premiers GTA. Mais les premiers GTA, ils sont trop bien. Et je les trouve meilleurs que GTA 3 perso, mais. Je sais que vous êtes pas d'accord, mais. Malheureusement, c'est comme ça. Je trouvais ça plus fun. C'est vraiment plus du tout le même. Je sais pas, j'ai pas le même feeling en jouant à un GTA 5 qu'en jouant à l'évolution du truc. Ouais, c'est ça. J'ai vraiment pas le même feeling. Attends, on est où là? Placement 4. Voilà. L'épée Oméga, bien sûr. J'ai bas ou pas? Je sais plus. Je sais plus si on l'a sauvé. Je crois que oui. Il faut que j'aille où d'ailleurs?
Ah bah faut que j'aille au Châtal. Alors oui, j'ai toujours mon problème avec ma manette, mais c'est plus le même. Donc là, peut-être on va pouvoir changer. Bah non, je peux pas changer de manette parce que le mapping. Va falloir que je fasse avec. Ah. Tac. 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 Voilà. Heureusement, on a cette arme-là. Incroyable arme. Épée Oméga. Pauvre serpent, il a demandé rien à personne. Il se prend un coup. Ouais. S'il venait m'agresser. C'est où l'entrée? Merde, j'aurais jamais dû faire ça. Au secours! Et... paf! Voilà, en fait, le château, il s'est fait prendre d'assaut. On peut faire plein de bouffe aussi avec ça. Qu'est-ce que j'ai dans mon... Putain, j'en ai du stuff. J'ai même les deux appels de Ditto, c'est incroyable. C'est où déjà? Je suis en train de me battre. Attends, est-ce que si je mange la pomme... La pomme, je crois que c'est de la mana. Du coup, j'en ai pas besoin. C'est ça, c'est de la mana. On va se débarrasser de ça. Voilà. Faudrait que je trouve un fromage, ça aurait été pas mal. Ah oui. Alors eux, je vais pas leur parler, mais en gros, ils me disent il y a un passage secret dans la cheminée. Voilà. J'aime me battre. J'aime me beurrer la biscotte. Comment on fait déjà? Ah voilà, comme ça. Voilà, c'était le passage secret pour aller dans le Châtal. Et après, il y a... Merde. C'est tout en haut. Ça y est, je me souviens. Ça commence à revenir. Je joue comme un caca. Tous les gardes sont morts. Oh mon dieu. Il est encore en vie, il dort juste. Voilà, je vais pas leur parler à tous. Hein. Alors là, c'est parfait parce que du coup, je sais pas où je suis. Pardon? Quoi? Normalement, je suis censé pouvoir appeler Shade. Pourquoi ça marche pas? Très bizarre ce qui vient de se passer. C'est lui, il a pas de reflet? Il a pas de reflet lui. Pourquoi t'as pas de reflet? Normalement on peut appeler Shade sur eux. C'est l'heure du duel. C'est pas de prendre des Mexicains dans un western à taper la cesse comme ça. Pourquoi? Alors, que je me souvienne, là-dedans, il y a un truc caché. Il y a une arme secrète. Je sais juste plus où elle est. Ah oui, on peut pas sauvegarder. Mais je vais quand même sauvegarder. Je crois qu'il y a un passage secret, mais genre là-haut.
là, là, sur la droite. Et il y a une arme à récupérer là-dedans. Tétélélé. Alors ça, ça donne très très bien. C'est le meilleur, c'est le meilleur RPG. Hein. Désolé, hein, mais ça détrône Zelda. Vous connaissez pas les, bons jeux. Je peux pas aller là. Il faut que j'aille là. Là, on peut avoir Shade, on peut avoir Bao, il me faut Bao d'ailleurs. Viens là toi. Voilà. Hop. Mange. Aïe. Non. Saleté. J'ai paniqué du coup. Alors on va jouer comme un pire. C'est pas très grave mais c'est quand même embêtant. Mais diantre, lâche-moi. Voilà. J'ai pas besoin de la pomme. Mais j'ai pas besoin de la pomme, mais on va quand même faire tac pour optimiser. Voilà. Je sais plus si c'est là. Ou s'il faut que je redescende tout en bas. Ça doit être là-haut. Est-ce qu'il n'y a pas un truc avec la clé aussi? Parce qu'il y a ça, c'est que là il y a deux chemins du coup. Il m'aurait fallu Shade pour aller chercher les trucs là-bas. Ça dit, je peux revenir. Faut que je revienne en fait. Parce qu'il doit y avoir une clé. Il y a certainement une clé là-dedans. Shade, il est où déjà? Là, je crois. En vrai, j'ai la clé verte, hein, donc en vrai, je pourrais aller là. Mais on va pas le faire. Parce que je sais qu'il y a un truc qui est planqué. Je sais juste plus où il est. Voilà, j'avais besoin de cette clé. Du.
L'avantage avec cette arme là, c'est que du coup les zombies anecdotiques. Voilà. Ça je peux le grailler normalement. Hop, voilà. Je me souviens plus du tout de où c'est. Et du coup ça me perturbe. C'est pas là, y a pas genre une porte qui est planquée. C'est pas ça. Ça m'ennuie parce que je sais plus où c'est. Quand même sauvegarder. Il me semblait que c'était au début vraiment. Je sais pas si c'est pas genre planqué dans. Énormément magie ce truc là. Il y a un truc mais je sais plus où c'est. Je vais trouver. Ah, est-ce que c'est pas ça justement? Pas du tout. C'est quoi mon intérêt de venir là alors? J'ai plus de mana. Ça va être sympa ça. Bien ça. Parfait. Exactement ce qu'il fallait faire. Tout ça pour éviter que ça utilise de la mana. Voilà. Alors qu'en fait... Voilà. Du coup, ouais, j'attends un petit peu parce que... Ah, j'aurais pas dû éteindre celui-là. C'est pas grave. Non mais j'ai zappé un truc. Ça me paraît... C'est pas là, je suis persuadé que c'est... Personne que c'est là-dedans en fait. Je ne sais pas. J'ai l'impression d'avoir oublié un truc, mais... Je peux le tuer lui aussi. Hein. Voilà. Je sais plus où c'est. Attendez, je vais regarder parce que ça me perturbe beaucoup trop. Alors,
C'est pas ça. Chute souterraine. Je crois que c'est celui-là. Chute souterraine. C'est... Mais non, c'est autre chose encore. Le son de cordeau à pied empruntant les voies qui mènent aux items. Le son de... Dans la bande marécageuse qui sépare le palais du golem de la forteresse de la montagne. C'est pas ça. C'est pas ça. Je sais qu'il y a un truc là-dedans, mais je sais plus où c'est. Résumé sur l'histoire, on s'en fout. Gameplay, système de combat, on s'en fout. Compétences détaillées. Ok, conclusion, bonus. Spoiler. C'est pas ça non plus. C'est où ? Dame Ned. Attends, je pense que j'ai ouvert le bon... Je pense que j'ai ouvert le bon truc. La course enflammée, je l'ai fait. Le puits des sangs sous-sol, je l'ai fait. La chute souterraine, a priori, c'est autre part. Les quais de l'angoisse, j'ai fait. La haute voltige, je l'ai fait. Donc du coup, non, en fait, c'était pas du tout où je croyais que c'était. Mais je suis persuadé qu'il y a un truc planqué quand même ici. Hein. Si vous avez le... Si vous avez le truc, ça m'intéresse parce que j'ai un souvenir qui me dit qu'il y a un truc, il y a un truc qui est planqué là, mais j'arrive pas à savoir quoi. Du coup, ça m'ennuie. Attendez, du coup, est-ce que je peux pas revenir jusqu'à là où j'étais? Jusqu'à où je peux remonter comme ça, parce que là je suis resté tellement longtemps en pause que du coup il y a que de la pause. Il y a que de la pause dans le flashback. Je suis pas certain de pouvoir remonter plus. J'ai attendu trop longtemps en pause, du coup, tant pis, je vais le refaire. De toute façon, ça va pas être bien compliqué, ça va être là. Cette pièce me dit quand même un truc. Hein. Je suis bloqué. Ok, bah tant pis, je sais plus où c'est, mais c'est pas grave. J'ai dû rêver. Ah oui, ça je me souviens. J'ai besoin de ce truc là. Parce que... Tac.
Aïe. Voilà, bon, il fait ce qu'il veut aussi, mais en gros, quand il est posé là, il est censé pouvoir bloquer le bouton et... Voilà. Aïe. Ah, mais je vais mourir. J'ai pas du tout regardé ma vie. Je vais mourir. Je suis mort. Fortel. Crève. Voilà. Et je peux pas descendre. Je voudrais descendre. Voilà. Pourquoi je voudrais descendre? Parce que du coup on peut faire ça. Et voilà. Ah, il y avait un mimique. Faut vraiment que j'aille là pour le faire. Voilà, et là je vais trouver le cube magique. Le secret d'Agito. Ah oui, c'est vrai que... Il faut lui faire une place dans tout ce bazar. En vrai, l'appel de Beau, je le ferai jamais. Je vais jamais l'appeler Beau. S'en fout. J'ai trouvé le gros cube, oui. J'aime les gros cubes. Voilà, c'est bon. Stop, au revoir. Il faut que j'aille où maintenant? Faut que j'aille dans la montagne. Putain, je crois me souvenir d'un truc... Un truc qui n'existe pas visiblement. Voilà. Il veut que j'aille là du coup. J'ai oublié que vous pouvez faire ça. Mais y a, ah oui, mais c'est ça, il y a des trucs en fait. C'est pas les armes. Aïe. C'est des trucs genre... genre des niveaux ou des trucs comme ça. C'est pour ça. Je les ai pas trouvés, mais c'est pas très grave. Le jeu est beaucoup plus facile depuis qu'on a trouvé cette arme. C'est pas là. Y en a un qui est sur le côté. D'accord. Donc j'avais besoin de toute façon d'avoir Shade à cet endroit-là. Parce que sinon je suis bloqué. Et je suis obligé de faire le... Comment je fais d'ailleurs, si je l'ai pas à ce moment-là? Je vois même pas comment je peux le récupérer. Boop, 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 boop.
Non. Y'a rien là. Non. Je crois pas que ce soit ça. Je crois que c'est justement le piège. C'est de te faire retourner là alors que non. Voilà. C'est effectivement le piège. Poupi, 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 poupi. On n'a pas le temps, on n'a pas le temps de le... C'est... Qu'est-ce qu'il m'a donné là? Ramène la princesse et moi je vais aller dans le temple qui est à l'intérieur. Voilà. Je sais plus si c'est pas celui-là le dernier temple d'ailleurs. Aïe. Ah, faut que je tue tout le monde, d'accord. C'est pas un problème. Voilà. Il y a une histoire de cailloux aussi, je crois. Voilà. Bien ce qui me semblait. Aïe. Bonjour. Je peux le grailler celui-là, c'est très bien ça. Ne, pardon. Et il y en a un deuxième. Ah, c'est dans l'autre sens. Je sais plus s'il faut que je les tue ou si j'ai le droit de tomber dans le... Parce qu'il y a un trou, ouais, je me souviens de ça. Je crois qu'il faut que je les tue. Oh là là! Ah non, c'est bon, j'ai shade. Mais non! Je sais plus ce que ça fait si j'ai pu. Si je tombe dans le trou vraiment. Je crois que ça m'emmène à un autre endroit. Ah, tout ça pour avoir un élixir. Alors c'est dommage parce que c'est intéressant, l'élixir. Voilà. Fallait effectivement descendre en fait. De la bouffe partout. D'ailleurs, il est où? Voilà. Donc. Hop, la graille, et voilà. Efficacité cette arme. Oh là là. Mais non. J'adore ce cri. Magie et vos idées d'hygiénie. Tu veux que je fasse des tours de magie? Aïe 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 aïe, arrête. Voilà. Il y en a un deuxième, je m'en souvenais. De la bouffe, il y en a, hein. C'est vraiment pas un problème. Il me faudrait Shade pour aller chercher le...
Ça, c'est bien aussi. Alors, ça, c'est quoi? C'est full mana. 3 quarts, 3 quarts. Ça, c'est 3 quarts de mana. Donc, ça, j'en ai pas besoin en fait. Je les garde si mort. Là, ça marche. Et là, ça marche plus. Arrête! 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 Je sais pas s'il faut que je les tue ou si. Au revoir. J'ai pas envie de me battre contre vous. Aïe. Non mais Shade, je peux avoir Shade là. Voilà. Oui, c'est ça qu'il faut. Il va falloir de la vie parce que j'ai pris cher. Je peux pas aller plus loin. Mais si. Se faire manger par les vers. Ah mince, il fallait que je prenne. En parlant de manger par les vers, fallait que je prenne ça. Je peux appeler les frites ou pas? Non. Et là il me faut Shade encore. Cela dit, peut-être pas. Je crois qu'on peut juste... Pas du tout. Faut faire tout le tour. Alors par contre, ça commence à être violent au niveau des stocks là. En vrai, tout est intéressant. J'en ai beaucoup, des oignons. Ah putain, par contre, il me faudrait Shade. Aïe! Je pense que je vais prendre ça parce que je sens venir le tas de cendres. J'ai glissé. Ah putain. Effectivement. J'en avais effectivement besoin, comme j'ai pas envie de faire l'aller-retour. On va juste faire ça. Tant pis pour le coffre. Il y avait probablement rien d'intéressant dedans. Par contre, là où ça m'ennuie un peu plus, c'est que j'aurais bien aimé avoir Shade sur cette phase là. Parce que là, c'est assez relou. C'est quoi? On a ATM. Par contre, il bande beaucoup plus vite que moi. Voilà. Il y a un truc qui les spawn, c'est obligé. J'ai pas la clé de toute façon. Mais non! J'étais sur la plateforme. Saleté. C'est un piège. C'est un trap. Ça c'est très très bien. ATM on s'en fout. Mmh.
C'est ça qu'il me faut. Je peux pas. Je peux pas le zapper. Comment je vais faire? Je peux pas, il est pile à un endroit où je peux pas le zapper. Je peux juste pas le faire. Je vais essayer quand même parce que j'aimerais vraiment avoir Shade à cet endroit là. Je peux vraiment pas le faire. Là le truc il va beaucoup trop haut. Ah putain, ils me l'ont mis juste comme il fallait quoi. Il est là Shade. Il est là, il est en face. Non! Putain. Il me tèche dans le vide. C'est bon. Ah, ça va me changer la vie déjà. Un autre élixir. Oh là. Cela dit, il faut quoi? Il me faut de la vie là. Il me faudrait des trucs de vie. Il y a beaucoup de trucs qui donnent de la mana, mais pas beaucoup de trucs de vie. Quel débile aussi. C'est bon. Fasse tout le trajet en plus. Alors faut que je fasse gaffe à pas me prendre de dégâts parce que sinon voilà, il vaut mieux que je sois là et que je tombe dans le vide plutôt que le truc me tape et que je revienne dans le niveau d'avant, ce qui voudrait dire retuer tout le monde, ce qui m'ennuierait fortement. Des gros coronavirus, exactement. Et c'est les Omicron. Ne vous inquiétez pas, il y a une autre version après. Omicron, c'est pas la dernière. La dernière, normalement, c'est censé être Oméga. Mais bon, dans les faits, il n'y aura pas de Oméga. Il y aura un Oméga Prime, je pense. Voilà, tout ça pour avoir cette clé. Au micro-ondes. Tu m'as habitué à une meilleure vanne, hein, quand même. Fallait que j'aille là-bas. Et comment je fais alors? Ça, je peux pas du tout. Je suis obligé de prendre des dégâts. C'est abusé. Oui. J'étais pas obligé de lâcher Shade par contre. J'avais oublié que je pouvais faire ça. Pas très malin. Ah ouais. J'aurais vraiment dû garder Shade par contre. Il
Là, on nous propose de choisir le boss qu'on... Enfin, le... pas le boss, mais le... l'âme qu'on va avoir avec nous. Enfin, l'esprit qu'on va avoir avec nous. Et en temps normal, j'aurais tendance à prendre plutôt Ditto, puisque c'est elle qui nous permet de nous soigner. Cela dit, je ne sais plus quel boss c'est. Si c'est le boss de fin, ce qui est fort probable, parce que je crois qu'il n'y a, plus rien derrière. Il vaut mieux prendre Shade, je pense. Ah merde, c'était ça. Donc c'est au feu ombre. Nous proposait pas du tout de choisir notre arme en fait, on hard. Nous proposait juste de retenir un code. C'est pas encore le boss de fin, je crois. C'est pas encore lui le boss de fin. La non-identité. On va essayer de finir le jeu quand même. Parce que je crois qu'il reste 3 boss. Pip, pop, pop. Aïe. Ah mais il m'a enlevé mon... Bah très bien en fait, j'ai pas de tout shade avec moi. Je me suis fait arnaquer. Ah oui mais je me souviens. C'est ça qu'il faut faire. J'avais complètement oublié. Faut du soin parce que je vais mourir. Ça. Et oui. Faut que j'attende qu'il se soigne, c'est ça. Ah mais non, faut juste que je vise dans les yeux, pas dans le troisième œil. Voilà. Faut lui mettre du collier. Paf. Voilà. En vrai, il n'y a pas de difficulté. C'est juste moi qui panique. Ouais, ça par contre, j'avais oublié. Même pas mal. Mais quand même, ouïouïouï. Re du soin parce que ça se passe pas bien. Par contre, je commence à avoir que des trucs de mana. Et ça m'ennuie. Tu as dit, l'élixir, c'est quoi? C'est full life normalement. 3 boss, un dromadaire bossu, quoi. Un chameau bossu, du coup. Alors HPSP, je crois que ça c'est HPSP aussi. Je sais plus ce que ça fait élixir. HPSP, la mana on va garder, ça c'est 3 quarts, ça c'est HPSP aussi. On a beaucoup de trucs de soins mais le boss de fin il va me piquer ma vie donc on va pas consommer. On va essayer de rester en vie. D'accord, on va consommer donc. Élixir. Donc full life. Je prends cher. Ça m'a enlevé la moitié de ma vie. Hein. Saleté!
sais pas si Elixir c'est ça fait full tout ou full HP. Il en reste un. Voilà. Méchant là, je kiffe juste avec ses yeux là. Attends, est-ce que c'est pas le dernier boss? Ça c'est un des trois boss dont je me souviens. Oh, j'avais zappé toute cette zone. Je l'ai complètement oublié cette zone. Donc on est encore pas tout à fait à la fin. C'est pas encore maintenant. Le labyrinthe là, ouais. Parce que bien sûr, un jeu sans labyrinthe, c'est pas un jeu. Paf. Est-ce que j'ai besoin de Ditto? Je ne crois pas. Ah oui, il faut que je fasse ça. C'est pas ça. Tac. Quoi? Il y a un truc où il faut vider la flotte aussi. Voilà. J'avais oublié ce truc là. Ça va être la fin du live. On va s'arrêter là. J'utilise pas la bonne arme. Je crois que c'est ça. Ça. Et à quoi ça servait de faire ça? Je ne sais plus. J'ai pas la clé de toute façon. Donc j'en sais rien. Elle est où la clé? Elle est pas dans un ennemi. Elle est pas dans un ennemi. C'est ça, c'est cette zone là, j'avais complètement zappé. Et là, il n'y a rien. C'est ça. D'accord. Il faut que je me débrouille avec juste ça, donc. Je crois qu'il faut que je tue tout le monde. On va essayer ça, on va essayer de tuer tout le monde. C'était ça. Ok, et donc du coup maintenant, je peux aller là. Et donc, là. Je vais manquer de mana. Et je crois qu'il fallait pas que j'appuie sur ce bouton-là. Et je peux pas... Ah oui. Il me faut de la flotte, mais je peux pas. Ça, je peux les laisser sécher, comme ça je récupère plein des poiscailles. Ce qui fait un peu du bien au... à ça, là. Vu que j'ai consommé pas mal de choses. Ça faisait quoi déjà? Je me souviens plus, la clé elle va où après? Je peux pas attraper le truc, d'accord. Je peux pas aller en face. Donc forcément...
peux faire ça. Tac, tac. On va juste essayer de passer au moins cette zone avant d'arrêter. Saute, idiot bête. Appuyer sur le bouton. J'ai appuyé sur le bouton, il y a quand même ça qui a changé. Et j'ai toujours pas d'ito par contre. Hein. C'est ça qu'il faut que je fasse pour passer là. Il me faut de la, il me faut d'ito pour aller là. Le problème c'est que comment j'appelle d'ito? Comment j'appelle Ditto là? Comment je peux me retrouver ici, avoir les... Non mais ça marche ça ou pas? Je me prends la tête alors qu'en fait oui ça marche. Ok. Là il me dit qu'il faut que j'aille chercher les frites mais j'en ai pas besoin. Ça c'est là le gros avantage. Même s'il va peut-être me donner un truc à la fin. Voilà c'est ça, il me donne un monstre qui me permet d'appeler Ifrit. Que je peux pas buter du coup, forcément. Ok. Marde. J'aurais peut-être gardé Shade avec moi. C'est bon. Pareil, il me dit qu'il faudrait les frites, mais j'en ai pas besoin. Tiens, chais. Par contre, j'aimerais bien garder Shade avec moi. Ça, c'est un peu le problème. Je sais plus, je crois qu'il y a un code. Je teste les combinaisons. On va tester les combinaisons. Peut-être pas. Par contre, dans le bon sens, ça aurait été cool. Voilà, donc là on a quoi? 4. Du coup. Hop. 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 Ok. Donc il faut forcément que j'active l'autre bazar. Voilà pourquoi je voulais garder Shade. Les plombs comme ça là. Meilleur moyen de tomber dans le vide et donc du coup de perdre beaucoup de vie.
rester dessus. Je suis pas sûr de ce que j'ai activé. D'accord. Parce que j'ai activé. Là, il y a le... Ah oui, le trou, il y a un truc à faire dedans. Voilà. J'ai pas la clé. D'accord. C'est pas grave. Je termine juste cette zone et puis après, après on arrête là. Et vous verrez le boss de fin la semaine prochaine du coup. Enfin les deux boss de fin, il en reste encore. N'importe quoi! Je vais y arriver. Je commence à faire n'importe quoi. C'est qu'il est, il est temps. J'ai la clé bleue. Du coup, je suis pas du tout au bon endroit. D'autres, je le sais. Voilà. Quoi, mais tous mes coups d'épée ils vont passer au travers. C'est génial. Ça se passe pas bien, je perds beaucoup de vie et de mana. Ça y est, c'est bon là. Quand même. Tout ça pour ça. Je sais même pas ce que c'est. Quoi? Ok. D'accord, et en fait il est suffisamment bas pour que je me le prenne. Et merci JB pour ton like. Bienvenue sur le live. Tu arrives un peu en fin de live. C'est gentil. Quoi? Quel est l'intérêt? Pardon? Je comprends pas. Ah! Non, je comprends pas. On
plus je me suis bloqué. Je peux faire ça ou pas? Non? C'est un piège! Forcément, il y a forcément autre chose. Je peux pas le casser ça, non plus. Je comprends pas ce que j'ai fait là. Je me souviens plus du tout de ça. Un piège. Vraiment, je pige pas ce que j'ai fait. Ah putain. C'était ça. Mais du coup, la porte bleue. Ça sert plus à rien quoi. Pareil, à quoi ça sert ça? Ah oui. J'aurais jamais dû faire ça. Aïe. J'ai la clé bleue, j'ai la clé rouge. La clé bleue elle me sert à quoi déjà? Je crois que c'est là justement. C'est pas ça. Aïe. C'est là. Clé bleue. Je devrais prendre Shade avec moi. Parce que je le sens venir aussi gros comme une maison. Un truc où je vais me faire arnaquer. Voilà. Donc là il me dit qu'il fallait effrite en fait, mais j'en ai pas besoin. Ce qui est un vrai avantage. Vite. J'en peux plus de cette zone. Viens à toi, que je te bute. C'est forcément. C'est forcément ça. Il n'y avait pas besoin. C'est bon. Alors là, n'importe quoi, par contre. Ok. Vite, fin de la zone. J'ai plus de mana. Du coup, je peux pas faire ça. Mange. C'est bon.
Attendez, je vais faire autrement. On va faire ça comme ça. Ok. Je sais plus s'il faut que je les tue tous ou si je peux juste aller de l'autre côté et que c'est suffisant. Je crois que c'était ça. Fallait que j'aille juste en face. Appuyer sur le bouton. Allez, voilà. Du coup, y a un autre boss après lui. Mais peut-être qu'on verra ça une autre fois. Je vous garde ce boss là au chaud. On verra ça la semaine prochaine. J'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas que si vous voulez acquérir cette console, ça se passe sur laconsoleretro.fr. Utilisez le code promo JEDIS pour avoir 10% de réduction sur votre commande. N'hésitez pas à commander maintenant pour pouvoir recevoir pour Noël. Et on se retrouve la semaine prochaine. Je vous fais des gros bisous. Portez-vous bien, prenez soin de vous et prenez soin des autres. Ciao !